Le Grand Prix Impact social et économique en Guinée, intitulé Tonneau 224, est une initiative de la structure Douné Communication. Il vise à récompenser les bonnes pratiques des entreprises privées, établissements publics, institutions publiques, organisations internationales non gouvernementales, organisations nationales non gouvernementales, meilleurs projets, diplomatie et quelques prix spéciaux. La démarche de la structure Douné Communication vient inciter les entrepreneurs à plus d'engagement pour le développement de la Guinée. Tonneau 224 est à sa première édition en Guinée. La cérémonie de distinction des institutions retenues à cet effet est prévue le 24 février 2023 à Conakry. Fatoumata Keïta, responsable de la structure Douné Communication, porte ce projet ambitieux. Pour donc annoncer les couleurs de cet événement, une formation en entrepreneuriat et leadership managérial a été organisée à l'intention de 50 jeunes en quête de l'emploi. Pendant 2 jours, ces participants seront outillés sur les techniques liées à l'entrepreneuriat jeunesse. Tonneau 224 est un concept de Douné Communication tiré du vocabulaire local qui signifie impact ou intérêt. Il vise ainsi à promouvoir les bonnes pratiques à travers la célébration et la mise en lumière des plus grandes actions des institutions publiques et privées ayant un impact dans le développement socio-économique de la Guinée. Il s'agira donc de mettre en valeur l'impact positif de celle-ci grâce à des études sur leur parcours sur le sol guinéen, avec un impact visible et justifiable sur les communautés et l'économie. Récompenser celles qui ont plus d'impact à travers des prix spéciaux afin d'inciter d'autres à s'inscrire dans la même dynamique. Ce projet se veut également une opportunité de développement personnel pour les jeunes et les femmes à travers le renforcement des capacités de ceux-ci. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que nous organisons cette formation de 50 jeunes en entrepreneuriat et en gestion managériale à partir de ce samedi 11 février 2023. Chers participants, pour cette première édition du Grand Prix Tonneau 224, 8 catégories sont sélectionnées, dont entre autres établissements publics, institutions publiques, entreprises privées, organisations internationales non gouvernementales, organisations nationales non gouvernementales, meilleurs projets, diplomatie et quelques prix spéciaux. Pour la récompense des institutions au Grand Prix Impact social et économique Tonneau 224, un jury est mis en place pour évaluer les postulants. Tout se fera sur la base des critères élaborés à cet effet. Et c'est pour la sincérité des récompenses qui seront livrées aux institutions méritantes. Marguerite Tewa est membre du jury. Elle a déclaré que le jury sera impartial dans le travail qui lui est confié. Je voulais signaler que ces catégories seront évaluées selon des critères. Le jury, il est obligatoire qu'il soit impartial, qu'il soit neutre et surtout qu'il agisse sur la base de très rigoureuse d'application et d'usage des critères qui sont préétablis. Parmi ces critères, il y a le tout premier qui est la légalité de ces institutions en Guinée. Parce qu'on ne va pas pouvoir donner le prix à une ONG, par exemple, qui n'a même pas une convention d'établissement en Guinée. Ça veut dire que cette ONG n'est même pas reconnue par les autorités nationales. Donc le premier critère de base sera la légalité de toutes les institutions et organisations en compétence. Et le second critère sera des critères spécifiques selon le prix. Et comme je vous ai parlé des 8 catégories, donc il y aura 8 catégories de critères spécifiques. Et chaque organisation sera évaluée sur la base de ses critères spécifiques, selon le prix. Le prix organisation internationale, il y aura des critères pour cela. Et les institutions candidates seront évaluées sur cette base. Le prix entreprise aussi privée, il y aura des critères et les entreprises seront évaluées sur cette base. Pour dire par exemple, pour les entreprises, une entreprise qui n'est pas en règle vis-à-vis de la fiscalité nationale, ça veut dire une entreprise qui ne paye pas ses impôts, sera systématiquement éliminé dès les premiers critères de sélection. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire le secret du jury. Je garde ce secret-là
pour le jury pour son travail en toute impartialité, dans la rigueur et en toute neutralité. Donc, au nom des membres de ce jury, je voulais exprimer toute notre joie et notre fierté d'avoir été choisis. Et nous garantissons, nous promettons à l'organisatrice et aux populations guinéennes, parce que le prix il est décerné au nom de la Guinée, que nous ferons le travail en respectant les rigueurs qui ont été définies, en toute impartialité, mais surtout en toute conscience. La formation des jeunes en entrepreneuriat et leadership managérial organisée par la structure d'une communication est en droite ligne avec la cérémonie de récompense des institutions qui vont remporter le Grand Prix Impact social et économique en Guinée. C'est l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP de Conakry qui a été choisi pour abriter la rencontre. Aboubacar Mandela Camara, conseiller chargé des questions de législation scolaire du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a présidé le lancement officiel de ces activités. Il a salué l'initiative de la structure Tournée Communication. C'est tout à fait pour nous un devoir, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais de venir participer, accompagner, conseiller nos amis jeunes qui se cherchent, qui sont soit des étudiants, des diplômés, des jeunes professionnels comme nous, et qui se cherchent. Et surtout qui cherchent à être autonomes, à être des entrepreneurs de renom, à être des managers, à être des leaders. C'est tout à fait un devoir. Parce que nul ne peut réussir sans les autres. Nul ne peut réussir sans les autres. Tout le monde a besoin d'un coup de main. Là où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons bénéficié quand même d'un soutien d'autres personnes, des aînés, soit à travers des conseils, accompagnement financier, soutien financier, moral. Chacun a besoin de quelqu'un pour aller de l'avant, d'une façon ou d'une autre. En entrepreneuriat, c'est la même chose. On ne peut pas entreprendre avec zéro franc. On ne peut pas réussir avec zéro franc ou dans le néant. C'est soit c'est vous qui payez ou c'est quelqu'un qui paye à votre place. N'est-ce pas? Je suis sûr que cette formation, vous ne donnez pas quelque chose, mais c'est donner une communication qui paye à votre place. Hein? Donc ça veut dire vous êtes en train de payer. Quelqu'un paye, donner une communication paye à votre place. Et ça y va dans le processus d'entrepreneuriat. La formation, avant tout, c'est extrêmement important. Je voudrais aussi, à la suite des autres, vraiment apprécier une fois encore, féliciter Dune Communication pour cette initiative, ce grand prix d'impact social et économique, dénommé Tonon, qui reconnaît les institutions, qui reconnaît les organisations qui œuvrent dans le cadre du développement de notre pays. Vous savez, la reconnaissance fait partie des besoins de l'homme. Rendez-vous est pris le 24 février 2023 pour la grande cérémonie de récompense aux institutions qui seront retenues pour le prix Impact social et économique dénommé Tonon 224 dans sa première édition par la structure Dune Communication.